Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet. Alors en fait, c'est un projet qui ne m'appartient pas. C'est un projet qui n'appartient pas au Fada du tout. C'est un projet qui appartient au Craft Squad. Alors, qu'est-ce que les Craft Squad? Les Craft Squad, ce sont quatre Canadiennes, dont deux qui faisaient partie du Diamond Painting Squad. Et donc elles se sont, voilà, la vie fait qu'on se sépare, machin, etc. Et elles ont reformé un petit groupe qui s'appelle les Craft Squad. Et dedans ce groupe, il y a Mélanie de Diamant Folie, Sonia de Diamant Rose. Donc ce sont déjà les deux personnes qui étaient déjà sur le Diamond Painting Squad. Et se sont greffées Amélie de la chaîne YouTube Design et Diamant et Caroline de la chaîne YouTube Caroly Angel. Voilà. Donc elles sont quatre. Elles ont un projet, donc ce projet c'est le projet des mystères. Alors le but, j'ai regardé toutes les vidéos, j'ai été sur leur groupe Facebook pour essayer de bien comprendre et j'espère que j'ai bien compris parce que je vais le commencer. Elles ont déjà commencé par contre et moi je n'ai pas encore commencé et en fait on peut commencer quand on veut. Voilà, ça c'est vachement bien, c'est un super projet, c'est un très bon principe et j'aime beaucoup. Alors j'ai ma petite feuille, ma notice, hein, parce que c'est un peu compliqué pour moi là. Alors, le but est de prendre une toile que vous avez dans vos stocks. Ça ne sert à rien d'acheter une toile. Vous prenez une toile que vous avez dans vos stocks, mais une toile qui sera au-delà de, ou qui fera 40 par 50 mm. Millimètres. Oups! 40 par 50 cm minimum, voilà. Et parce que 30 par 40, c'est un peu trop petit. Donc moi, la toile que j'ai choisie, c'est une toile que j'avais dans mes stocks, c'est une toile qu'on m'avait offerte, elle fait 70 par 52,4 cm. Donc elle va très très bien. Et il faut diviser cette toile en plusieurs petits bouts grâce à ça. À ça. Qu'est-ce que c'est? Alors en français, c'est ce qu'on appelle des feuilles de papier de rechange anti-adhésif. Et en anglais, c'est des really sheet. Je pense que ça se dit comme ça. Moi, mon anglais, mon super anglais, voilà, incroyable. Donc des really sheet. Donc vous retrouvez ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien sur Amazon si vous voulez en prendre. En fait, ce sont des feuilles qui se mettent sur vos toiles à la place de la feuille transparente ou de la feuille kitchen. Alors je sais même pas si c'est un sens en fait. Donc je vous le dirai quand je les appliquerai sur ma toile. D'accord? Je fais un petit test avant. Voilà, donc ça. Donc ça, ça fait je sais plus combien de centimètres par combien de centimètres. J'ai pas Marie à côté de moi. Ah c'est là. Ça fait combien de centimètres ça? Ça fait 10 sur 15 cm. Donc moi je pense que je vais les couper en 4. Voilà, 10 sur 15 cm, je vais les couper en 4. Alors après, à voir si sur ma toile ça ira ou pas. Comme elle fait 70 par 52,4. Bah, si je mets 10 cm comme ça, en fait je vais peut-être les mettre comme ça, en 10 cm. Donc là du coup, au niveau de la... Non, 10 comme ça. Parce qu'en fait, elle est longue. Elle fait 70 de 70 comme ça. Elle fait 52 comme ça. Donc, je vais faire. Je vais les poser comme ça. Et je les couperai effectivement en 4. Voilà. Je vais trouver la solution. Ok. Alors, le but est que sur le groupe des Craft Squad, sur Facebook, en fait, vous allez poser votre toile. Avec le papier, donc le really sheet découpé, voilà, hein, qui sera installé sur votre toile, numéroté. Alors, si j'ai bien compris, les numéros, vous les mettez aléatoirement dessus. Alors, je ne sais pas comment je vais faire, parce que sur ce papier-là, en fait, si vous numérotez avec du papier, un crayon permanent, vous savez, ça ne fonctionne pas. En fait, il n'y a rien qui tient dessus. Soit je mets des stickers, mais j'ai plus de stickers avec les numéros, ou soit bah, je vais créer des stickers. Je vais faire ça, je vais créer des stickers et puis je prendrai un morceau de. Tu arrêtes de te lécher, Marty? Oh là là, celui-là, alors il n'est pas très bien. Je vais créer des stickers et je les collerai dessus. Alors, à savoir, est-ce que ça colle bien dessus? Alors, j'ai un petit sticker Snow à côté de moi, là.
Je vais voir si ça tient bien dessus. Ou sinon, je mettrai du scotch. Ou je sais rien. Je vais voir si ça tient dessus. Oui, oh bah ça tient comme ça tient. Mais ouais, si je mets un bout de scotch avec un stickers. J'essaye. Hein. Mon scotch, je ne sais même pas où il est en fait, le truc là. Le scotch. Je ne sais pas où il est. Je sais pas. J'ai rangé mon bureau tout à l'heure. Et du coup, j'ai rangé le scotch. Et là. En fait, j'ai rangé mon bureau, je sais pas pourquoi, parce que ma fille déménage le samedi et ça tient même pas le scotch dessus. Oh, ça tient pas le scotch dessus, ça va être chaud. Je sais pas comment je vais faire là. Je vais coller. Si je colle. Oh, je teste, hein. Je teste. Ouais, je vous disais, j'ai rangé mon bureau tout à l'heure. Et en fait, comme ma fille elle déménage le samedi, je vais récupérer un bureau pour moi. Parce que je vais attendre que Gabriel revienne de chez son papa. Qu'il est en stage le 10 février, et lorsqu'il rentrera de stage, et ben du coup il changera de chambre et moi je récupère sa chambre comme elle est plus petite pour en faire un bureau. Donc déjà moi je vais déjà tester si ça colle. Alors je vais mettre un numéro dessus qu'on voit bien, je vais faire un petit cœur, tiens, hop, un petit cœur. Je vais prendre de la colle. Ah, oh, je teste hein, de toute façon en direct. Je vais prendre la colle comme ça. La colle glue, machin, là. J'en ai encore dedans, moi. Oh, j'ai plus de colle. Je veux faire un truc et j'ai plus de colle, en fait. Oh là là, je suis pas douée. Mon Dieu de travail, je vous jure, c'est incroyable. Ah, voilà, si, il y avait de la colle. Donc, je mets un petit bout de colle. Je vais coller dessus et on va... Ce que j'ai sur mon doigt, je ne sais pas, c'est dégoûtant. Et on va attendre de voir si ça colle bien. Et si ça colle, eh ben, je pense que je vais les coller, les numéros dessus. Oui, on va attendre que ça colle, hein, pour que ça prenne. Hein. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Alors, hors caméra, parce que je ne veux pas que vous voyez en fait la toile que j'ai choisie. Hein, c'est le truc, c'est de découvrir au fur et à mesure en fait la toile. La toile, donc vous postez comme j'expliquais la toile avec tous les numéros, avec tous vos cases. Une fois que vous avez posté ça, la première personne qui commente, elle va mettre un numéro. Et du coup, vous faites le numéro qui est mis dans le premier commentaire. Une fois que vous avez fait ça, vous repostez une photo avec votre DP avec la case qui a été faite. Et rebelote, une personne vous redonne un numéro et vous faites la deuxième case. Et ce qu'il y a de bien dans ce principe-là, en fait, c'est que vous avez fait votre DP, mais vous allez peut-être le faire en une année, peut-être que vous allez le faire en deux ans, on s'en fout. Peut-être que vous allez le faire, si vous faites les cases assez rapidement, peut-être en cinq mois, en trois mois, j'en sais rien, enfin, bref, c'est pas grave. Vous avez tout le temps pour le faire, voilà, c'est vraiment à l'infini, ça c'est vraiment super bien. Voilà. Alors, j'ai ma petite note hein, pour savoir où j'en suis, ce que je vous dis, si j'ai paumé quelque chose. Donc, faire une grille avec les numéros dessus. La première personne qui commente la photo fait la case machin, vide de truc mûche. Feuille de papier en délire réussi, voilà. Bah voilà, donc c'est un projet à l'infini. Ouais, bah je pense que j'ai tout noté. Alors, moi, c'est déjà une toile que j'avais préparée il y a un sacré moment et je n'avais pas encore faite. Et c'est l'occasion pour moi de la faire. Donc, en fait, vous allez voir, hein, parce que c'est une toile Oraloa hein, que j'ai choisie, qui est dans mes stocks. Donc, elle est préparée. J'ai même caché la photo dessus. J'ai tout caché pour pas que vous puissiez voir. Diamant carré. Du coup, je vais... parce qu'en fait, j'ai scotché au niveau de ma boîte. Donc, je vais redécoller et je mettrai le nombre de cases que j'ai. Hein, voilà. Alors, est-ce que ça tient, ça ? Wow, ça va pas tenir des masses. Hein. Je sais pas comment je vais y faire. J'ai de la super glue à la rigueur. Peut-être que ça tiendrait. Je sais pas, on va voir. Allez, je vous laisse le temps de préparer tout ça. Donc pour vous, ça va être dans ping une seconde. Et moi, ça va être dans plusieurs heures, à mon avis, parce qu'il y a du boulot, hein, il y a du taf. Hein. Voilà. En tout cas, je remercie énormément les filles qui ont proposé ce projet. Donc, les crafteuses squad. C'est vraiment génial. Bah, écoutez, c'est un projet que vous verrez tout au long de l'année, certainement, parce que la toile est quand même pas mal grande. Et si je fais des cases qui vont faire... combien j'ai dit
Moi, j'ai des cheveux à ça, je les ferais comme ça et en fait je les couperais en 4. Donc ça ferait des cases de 5 cm sur 7,5. Ça va faire des cases de 5 cm sur 7,5. Ouais, bah, je vous assure qu'il va y avoir un paquet de cases. Donc elle n'est pas prête d'être terminée. Voilà, avec tous les projets en plus que j'ai en cours. Donc je vais vraiment prendre mon temps et c'est vraiment génial comme projet. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve, enfin, vous me retrouvez dans une seconde et moi je vous retrouve dans plusieurs heures. À tout à l'heure. Alors, voici ma toile. Du coup, j'ai collé le release sheet, c'est ça, hein, le papier anti-adhésif dessus. En fait, on peut mettre de n'importe quel côté parce que je crois que j'ai pas fait attention, mais apparemment, ça se décolle assez bien. Voilà, hein, vraiment très bien. Alors, j'ai testé enfin, la colle tout à l'heure sur un morceau, hein, et en fait, eh ben, ça se décolle, ça ne tient pas, donc c'est le bordel. Donc, je me suis dit, j'ai des petits gnomes comme ça, en stickers. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais coller un sticker et je vais mettre un numéro. Voilà, avec. Donc, j'ai trouvé sur le net un petit tableau avec des numéros. Donc, j'ai 56 cases. Hein. Donc, j'ai commencé déjà après découper. Donc, 1, 2, 3, 9, 10. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais tester avec vous. Je vais prendre un gnome. Je vais prendre le chiffre 1. Oh, puis ça glisse là-dessus, c'est incroyable. Et je vais essayer de coller n'importe quoi. Je fais un peu les choses n'importe comment. Alors, je recommence. J'ai mon gnome. Coller le chiffre 1 comme ça et le mettre sous ma première case. Voilà. On va faire comme ça. Vous voyez pas, mais ça fait comme ça. Voilà. Donc, je vais faire tout ça, je vais faire hors caméra, je vous montrerai le résultat après. Ouais, on va faire comme ça. Allez, je vous montre le résultat une fois que c'est fini. Donc, j'ai pratiquement terminé de mettre mes petits numéros. Donc, du coup, il y a 56 cases. Alors, voilà, je fais comme ça, je colle. De toute façon, je n'ai pas trouvé un autre moyen en fait pour le faire. C'était. Parce que le scotch ça se colle pas dessus et puis la colle ça colle pas dessus donc forcément j'ai trouvé ces petits stickers qui collaient bien dessus. Voilà, je mets le stickers. Voilà, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, hein, ouais, ça peut tenir. Hein. Après, ce que je vais faire, c'est que oh, je vais couper la tête à celui-là. Attendez voir, j'en ai pas un autre comme ça parce qu'en fait, j'étais par ordre. Je vais couper la tête. Ah bah tant pis, c'est pas grave. C'est celui-là, je vais couper le bout du bonnet en fait. En fait, après, je vais me faire une feuille et je vais mettre mes 56 cases sur une feuille et je cocherai au fur et à mesure. Je cocherai au fur et à mesure les cases que j'aurai fait. Et puis voilà quoi, je pense que ça peut être pas mal. À la rigueur, je mettrai peut-être les noms des personnes qui m'ont donné la case à faire. Ouais, c'est pas mal. Alors, 56 cases, ça fait un peu plus d'un an si je fais une case par semaine. Mais me connaissant, je pense que je ferai un petit peu plus qu'une case par semaine. Mais voilà, quoi, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, j'ai mis bien en hauteur, cela. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est un super projet. J'adhère complètement. Voilà, donc, vous voyez, ça, parce qu'on fait partie d'un groupe. Moi, je fais partie des fadas du DP. Et là, je m'occupe. Ben là, je fais un projet des crafteuses squad. Voilà, je trouve que c'est vachement bien parce qu'en fait, pas parce qu'on fait partie d'un groupe qu'on ne peut pas faire des projets d'autres groupes. Au contraire, c'est très bien. Je trouve que c'est satisfaisant en fait de faire plein de projets et d'être sur plein de choses à la fois. Enfin voilà, moi ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, ça m'a toujours plu d'avoir plusieurs projets. D'un coup, hein, vous me connaissez, je pense à force. Vous savez que moi, j'aime bien avoir plein de choses entamées, n'est-ce pas? Bien. Voilà. D'ailleurs, j'ai parlé avec Nano, enfin, on parle ensemble, Nano Isa. C'est vrai qu'on a la même toile qu'on voudrait faire.
ensemble. Vous savez, c'est une petite fille avec des lunettes, elle est entourée de livres. J'avais en partenariat chez je sais plus qui, enfin c'est pas grave. Et du coup, on l'a toutes les trois et j'ai vu, enfin on a vu aussi qu'il y avait des youtubeuses qui l'avaient, cette toile-là. Alors pourquoi pas la faire justement ensemble? Et ce serait vachement, vachement sympa. Voilà, ma 56e case, elle est là. Donc ce sont des cases. Alors en fait, j'ai fait 56 cases, pourquoi? Je voulais pas, au départ, je voulais couper en fait ma feuille en 4. En 4 parce qu'elle faisait 10, 15 sur 10. Je vais la couper en 4 et finalement je l'aurais coupée en 4. Ça m'aurait fait le double. Ça m'aurait fait 112 cases. Et pour moi, 112 cases, c'est beaucoup trop long. Voilà. Donc et ben là finalement, et ben, ça me fait 56 cases et c'est très bien. Voilà. Donc je vais prendre ça en photo. Je vais mettre ça en photo sur le groupe des Crafters Quad. Et puis on verra bien là quelle case je vais faire en premier. Mais c'est hyper sympa, je trouve, comme concept. Franchement, j'adhère complètement. Là, je vais créer donc ma petite feuille où je vais faire mes 56 cases. Et je les barrerai au fur et à mesure. Voilà. Et puis sur une autre feuille, peut-être, je vais mettre le nom de la personne qui m'a proposé donc une case. Et voilà, jusqu'au fur et à mesure. Donc, je les ai mis dans l'ordre. Au départ, je voulais les mettre dans le désordre. Vous voyez, 56 cases, mettre le 1 ici, le 2 ici, le 3 là, par exemple. Et en fait, non. Non, je me suis dit non. Autant mettre dans l'ordre de 1 jusqu'à 56. Et après, les filles, elles me disent là, quelle case je peux prendre. Alors, pour cacher l'image, parce que c'est vrai que c'est comme une toile Oraloa. Vous avez en fait en général le nom de l'artiste et la photo. Du DP qui se trouve là, et bah du coup, moi j'ai mis les stickers pour tout cacher, comme ça on ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà, allez, je fais mon petit truc là de mon côté, ma petite comment dire, mon petit tableau avec mes 56 cases, et puis je reviens après. J'ai créé mon petit tableau, et en fait, en créant mon petit tableau, je me suis dit, on va faire mieux que ça, on va faire mieux qu'un tableau. Donc, je me suis fait un dossier. Non, mais attendez, jusqu'où je suis allée quand même. C'est quand même dingue. Je me suis fait un petit dossier comme ça. Voilà. Où j'ai mis, en fait, le tableau avec le numéro de 1 à 56. Donc, dès qu'une personne me dit, voilà, tu vas faire la case numéro 20, par exemple. Donc, je vais barrer le numéro 20. Je vais chercher la colonne. Pourquoi j'ai écrit colonne? J'aurais dû écrire case. Oh, c'est pas grave. Allez, hop, j'en ferai la première page à la rigueur. Donc, j'ai écrit colonne. Pourquoi j'ai écrit colonne? Je ne sais pas. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc, je vais chercher ma petite case numéro 20 qui se trouve ici. Je noterai la date à laquelle, en fait, on m'a demandé de faire cette case. Et je noterai ici le nom de la crafteuse. Voilà, qui m'a demandé de faire cette case. Voilà, donc je vais faire ça comme ça. 56 cases, alors ça ne veut pas dire 56 semaines, hein, 56 semaines ça ferait un peu plus d'un an, mais j'espère faire au moins 2 cases par semaine, ce serait pas mal, hein. Ça me ferait à peu près, j'ai des poils de chien sur mon truc, j'ai horreur de ça, voilà, ça c'est Martine partout, hein. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, je suis assez contente de moi, donc maintenant je vais aller prendre une photo de mon DP avec toutes mes petites cases, je vais leur dire qu'il y a 56 cases et j'attends de savoir qui va me proposer la première case. En tout cas, je remercie énormément les crafteuses parce que c'est un super projet. Moi, j'adore, j'adhère complètement. Franchement, il fallait y penser. C'est vraiment génial. Donc, je remercie beaucoup Mélanie, Sonia, Amélie et Caroline. Voilà pour ce truc, enfin ce truc, ce projet vraiment extra. Voilà, je me suis bien amusée à le préparer. Alors ça m'a pris, on va dire, à le préparer en tout, entre faire la vidéo, vous montrer, réfléchir à mes idées, mettre les petites feuilles sur le DP, coller les étiquettes. Enfin bref, ça m'a pris quand même, on va dire, 2 heures et demie. Ouais, j'ai mis 2 heures et demie à faire tout ça. Ça m'a amusé, je suis au repos aujourd'hui, donc en fait j'ai que ça à faire. Non, j'ai pas que ça à faire, mais bon, c'est trop bien. Enfin, moi j'aime bien les nouveaux projets comme ça, donc j'aime bien.
Allez, je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne Jackie Diamonds et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.